coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo weekly vlog de cet été. J'ai décidé cet été de vlogger tout mon été, donc de faire un vlog par semaine. Il y en aura qui seront plus fournis que d'autres, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener dans mon été. Donc là on est lundi 1er juillet, on est parti pour une journée de travail. Aujourd'hui il va encore faire chaud, on est dans cette période où il fait pas moins de 30 degrés. Donc je vais essayer ce matin d'être active à l'extérieur tant qu'il fait frais, et puis je m'enfermerai cet après-midi, je pense, dans mon bureau pour travailler. Donc là ce matin j'aimerais aller à Ikea. Là c'est mon bureau est en bazar, il faut que je le range, et j'aimerais surtout sur ce mur blanc ici mettre vous savez les tableaux qui permettent de s'organiser, qui ont des trous, qui permettent d'accrocher plein d'objets, de faire du tri, etc. Je me dis que ça pourrait être pas mal, donc je vais aller Ikea ce matin pour essayer de trouver ça. Du coup j'ai fait mes petits repérages sur Ikea. Je pense que je vais prendre ce panneau perforé SCA10 que je vais mettre là-bas. Là je vais encore réfléchir sur ce que je peux mettre ici. Et là-bas c'est une zone où il y a beaucoup de carton, c'est souvent en bazar. Et en fait je pense que j'ai envie de prolonger ce meuble. Donc je pense que je vais également partir sur ça. Donc c'est le fameux Kallax, mais celle-là il n'y a que 4 compartiments, donc ça va parfaitement compléter mon mur. Ma partie préférée d'IKEA, la partie organisation. Du coup je vais vous faire le haul de mes achats Ikea. Alors il y a surtout de l'organisation, il n'y a rien de déco, c'est vraiment de l'organisation pour mon bureau. Je pense que je vais voilà terminer l'organisation et la décoration de mon bureau tout au long de l'été pour vous faire un desk tour à la rentrée, je pense les premières semaines de septembre. J'en profite pour vous faire le haul tant que j'ai de la lumière, parce qu'ensuite je vais m'enfermer dans le noir pour essayer de garder la fraîcheur à l'intérieur, parce que là il fait déjà 31 dehors et c'est même pas midi. D'ailleurs je suis désolée si je suis un peu un peu luisante. Alors on est parti. Première chose que j'ai acheté, c'est ce petit cache-pot en paille un peu. Il me semble que je l'ai payé 5 €. Au pire je vais pas vous dire les prix, je vous mettrai les prix en bas de l'écran, comme ça je suis sûre de pas vous dire de bêtises. Donc j'ai pris ce petit cache-pot. J'ai pris ce petit objet en bois qui sert en fait, alors j'ai pas mon téléphone là mais je vais le faire avec mon disque dur, qui sert à caler votre téléphone pour pouvoir... Ensuite j'ai acheté, alors là ça va rien vous dire comme ça, je vous le montrerai une fois installé, mais là vous avez la petite photo, c'est un organisateur de bureau, donc pour le courrier etc. Donc moi ça va me permettre de classer mes papiers perso et pro. J'ai pris le fameux panneau dont je vous parlais ce matin. Donc j'ai hésité entre le blanc et le bois, parce que dans mon bureau les couleurs c'est le bois et le blanc. Je suis partie sur le blanc finalement, donc j'ai pris ce panneau là, c'est la plus petite version qu'il y a. Avec, j'ai pris une petite barre à mettre dessus qui va me permettre de mettre tous les masking tape, donc c'est les scotch. J'ai pris une petite boîte, voilà, vous avez la photo ici, une petite boîte pareil pour faire un peu vite poche. J'ai pris une boîte comme ça, peut-être pour mettre les stylos, je vais voir. Et j'ai pris des petites pinces comme ça, donc pour pouvoir mettre, accrocher des papiers ou des petites photos. Et j'ai pris, alors je sais pas du tout à quoi ça va me servir pour le moment, mais j'ai pris des crochets au cas où. Je me dis que ça peut toujours servir pour accrocher des, par exemple des ciseaux ou des choses comme ça. Toujours dans l'organisation, donc là il est pas défait donc ça va pas vous dire grand chose. J'ai pris ce petit panier blanc avec une anse en bois que je mettrai du coup sur le nouveau meuble Kallax que je vous ai montré ce matin et que j'ai acheté. Donc là il faut que je le monte, donc je le monterai plutôt ce soir quand il fera un peu plus frais, parce que là je pense que je vais mourir. J'ai pris pas mal de petites boîtes comme ça de rangement, avec les couvercles et avec les petits, comment ça s'appelle, je sais pas, c'est pour fermer la boîte en fait. Tout est vendu séparément Ikea, faut faire attention. Toujours dans le même style, j'ai pris des grosses boîtes comme ça, ça me permet de classer tout mon matériel do it yourself. Et pour finir, pour mettre dans mon meuble Kallax, j'ai repris un panier en osier comme ça. Donc ça donne ça. Ça j'en ai déjà plusieurs dans mon bureau. En fait j'alterne une case vide et une case avec un petit truc comme ça. Voilà, donc là je vais m'enfermer, je vais aller manger, je vais bosser cet après-midi. Donc je pense pas vous reprendre cet après-midi, parce que ça va être de l'administratif, de la rédaction web, enfin voilà, que des choses comme ça, que sur ordinateur. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée à un genre de Get Productive With Me pendant une semaine si vous désirez à la rentrée. Du coup je pourrais faire ça, comme ça vous verrez vraiment le travail de freelance. Mais là je vais pas vous montrer, sinon le vlog, vu qu'il fait toute la semaine, ça va durer trop longtemps.
Il est quasiment 17h, j'ai bien avancé cet après-midi, j'ai programmé tout mon mois de juillet, j'ai programmé mon calendrier éditorial, ce que j'aimerais faire au mois de juillet, j'ai répondu à quelques mails, j'ai travaillé sur la commande d'un client, donc c'est une commande graphique, ça m'arrive pas souvent, mais là c'était pour dépanner quelqu'un. Et là, comme je vous disais, il est bientôt 17h et j'avais complètement oublié. J'ai rendez-vous chez le kiné puisque je me suis blessée il y a quelques mois au roller derby au genou, que c'est toujours pas réparé, donc j'ai des séances de kiné, donc bah, je file au kiné. Alors il est quasiment 9h, aujourd'hui pas de make-up, je reste toute la journée à la maison et il fait chaud encore aujourd'hui, donc on va s'éviter ça. Je voulais revenir sur un point que j'ai dit un peu plus tôt dans le vlog, je vous ai dit qu'à la rentrée je vous ferai un Get Productive With Me. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se posent la question pourquoi est-ce que je le fais pas pendant ces weekly vlogs. Tout simplement puisque en juillet-août, donc la période de l'été, c'est une période de travail assez particulière. Malheureusement il y a moins de travail, les gens partent en vacances etc. Et du coup mon rythme de travail est plus détendu, plus chill. J'en profite plus pour faire le point sur mes projets, mettre en place des choses pour la rentrée, mettre à jour des articles etc. Et surtout je me permets de prendre entre guillemets mes matinées pour moi, donc c'est à dire pour faire du sport, pour aller faire bah, comme hier mes emplettes à Ikea. Là ce matin j'ai pas eu le temps de tout monter hier soir, donc là c'est ce que je vais faire ce matin, je vais ranger mon bureau et je vais travailler les après-midi, donc faire les mails, avancer sur les différents projets que j'ai, plutôt en après-midi. Voilà comment va se dérouler un peu l'été, sachant qu'en plus en mois d'août je pars en vacances, donc voilà pour vous donner un peu une petite idée. Donc là on est parti, je vais monter le meuble que j'ai pas monté hier et je vais pouvoir ranger un peu mon bureau, puisque l'objectif aussi de la rentrée c'est d'avoir un bureau net. J'ai besoin de travailler dans un espace qui est rangé. J'ai l'impression que s'il y a le bazar sur mon bureau par exemple, j'arrive pas à me concentrer. Il faut que les choses soient rangées physiquement pour que ce soit rangé mentalement entre guillemets. Donc voilà, le but de cet été ça va être de faire aussi du tri dans le bureau, d'avoir un bureau nickel pour la rentrée, pour repartir sur de bonnes bases. Ça fait 2 ans maintenant que je suis freelance et pourtant je continue à réfléchir en termes d'année scolaire. Vraiment pour moi juillet-août c'est une période un peu plus chill de travail et la rentrée est en septembre comme un nouveau 1er janvier en fait. Shopping à Lyon, je vais aller voir ce que donnent les soldes. Je vais également aller voir faire mes premiers essayages pour mes chaussures de mariée, peut-être que même je les achèterai aujourd'hui, à voir. Et enfin j'ai un rendez-vous avec une wedding planeuse à midi puisque j'ai gagné un concours sur Instagram et je vais récupérer mon lot. Alors le lot que j'ai gagné c'est un bouquet et surtout un énorme macramé et je pense qu'il va faire parfaitement l'affaire pour le mur blanc que je cherchais à habiller. J'aurais dû y penser plus tôt mais j'avais complètement oublié, donc je pense installer le macramé juste ici. D'ailleurs j'ai monté le meuble, je suis encore en train de ranger, j'ai pas fini, je vous montrerai tout ça d'ici la fin de la semaine et j'espère vous pouvoir tourner le desk tour avant la fin de l'été. Il a l'air beau. Oui, il est là quoi. Trop chouette. Regardez ça. Trop beau.
Beau, trop hein. Joli. Donc je repars avec mon petit macramé et mon joli bouquet. Trop bien. Merci les filles. Alors je voulais vous montrer mes petits achats shopping d'hier à Lyon. J'ai pas pris grand chose finalement, mais je suis assez contente de ce que j'ai acheté. Alors d'abord je suis allée chez Oysho. De base j'y suis allée pour m'acheter des vêtements de sport. Hop, attendez, je vais couper mon téléphone. Pour trouver des vêtements de sport et j'en ai pas trouvé malheureusement, j'adore leur tenue de sport là-bas. Et je suis repartie avec un maillot de bain que j'avais repéré chez une copine sur son Instagram, donc Silicate. J'avais craqué quand j'avais vu sa story et je savais pas du tout qui venait de là. Et quand je l'ai vu en magasin, j'ai fait ok, je l'essaye tout de suite. Donc c'est ce maillot de bain là, donc c'est un maillot de bain une pièce. Donc il y a des petites brides croisées dans le dos et surtout donc devant ça fait un peu ce corsage avec ses boutons, mais surtout au niveau des hanches et du ventre il y a ce petit volant là, du coup ça fait une super silhouette, c'est trop joli, j'aime beaucoup ce style un peu pin-up que ça apporte, enfin je trouve ça top. Et dans le dos le décolleté est assez grand, il arrive en bas du dos, je sais pas si vous verrez, voilà il arrive vraiment, ça arrive au niveau de la taille, donc vraiment le décolleté arrive au niveau de la taille, il est très très joli. Voilà, donc j'ai hâte de partir en vacances en août pour le porter. Ensuite, chez Pull & Bear, qui est un de mes magasins de vêtements préférés. Ah, attendez, je vais peut-être vous donner le prix du maillot de bain, tant qu'à faire. Donc le maillot de bain coûtait 45,99€ et il était en promo, donc je l'ai eu à 35,99€. Voilà, ensuite donc du coup chez Pull & Bear, qui est une de mes marques préférées, faut le dire, j'ai pris un short en jean tout simplement. Donc c'est un jean mom, vous savez là, qui remonte à la taille bien haut. Il n'était pas en promo, c'était la nouvelle co, il était à 19,99€. Donc voilà, j'ai pris que ça pour les vêtements. Et sinon j'ai pris des produits donc pour cet été. J'ai pris une huile solaire de chez Caudalie, donc c'est un indice 30. J'ai pris celle-là tout simplement puisqu'elle a ses nouveautés, puisque j'ai appris récemment que les crèmes solaires, huile solaire, tout ça, ça polluait beaucoup les océans, puisque quand vous vous mettez de la crème et que vous allez ensuite vous baigner, et ben toute la crème que vous avez mis, les filtres solaires qui sont sur votre peau vont dans les océans, polluent les océans et donc intoxiquent les poissons, etc., toute la vie sous-marine. Donc cette nouvelle gale Caudalie, elle est vachement bien puisqu'elle a le petit logo Ocean Protect, c'est à dire que tous les produits à l'intérieur sont bons pour vous mais sont aussi bons pour la planète, donc ça c'est très cool. Je l'ai, ma maman l'a scanné sur quelle application, quel cosmétique de UFC Que Choisir il me semble que c'est, et elle est notée très bon, donc parfait. Donc j'ai pris l'huile solaire indice 30 et en plus elle sent hyper bon je trouve. Et du coup ma maman avait pris un deuxième solaire, donc on a eu le droit gratuitement, c'était offert aux soins nourrissants corps Caudalie, donc c'est un après soleil. Voilà, donc je testerai tout ça cet été, mais le combo va être top je pense. Voilà, donc ça c'est tout pour mes achats, et comme vous l'avez vu juste en début, il y a quelques minutes, j'ai également acheté mes chaussures pour mon mariage. Donc mon mariage n'est que l'année prochaine, mais il est bon d'avoir ces chaussures pour les essayages de la robe, et vu que je commence mes essayages après l'été, ben voilà, il fallait que je commande les chaussures puisqu'il y a environ 2 mois de délai pour la fabrication et la livraison. Donc je suis allée dans la boutique que vous avez vu qui s'appelle Dessine-moi un soulier. Ce que j'aime beaucoup avec cette boutique, c'est que c'est tout un concept où vous créez votre chaussure de A à Z, c'est à dire que vous choisissez le type de chaussure. Donc moi j'ai choisi un escarpin, mais vous pouvez prendre des nu-pieds, vous pouvez aussi vous faire des baskets pour la vie de tous les jours, enfin il y a vraiment beaucoup de types de chaussures différents. Vous choisissez le tissu de la chaussure, vous avez vu pareil dans la vidéo, je vous ai montré le tableau avec tous les tissus, donc moi je suis partie sur un tissu pailleté. Voilà, et ensuite vous choisissez donc le type de talon, donc c'est à dire si vous voulez un talon fin, un talon épais, enfin voilà il y a 3 types de talons, et aussi savoir si vous voulez un talon de quelle hauteur. Donc il y a 3 hauteurs différentes, il y a 5, 8 et 10 cm il me semble. Et enfin après vous pouvez choisir de mettre des petits accessoires comme des brides ou alors des petits nœuds, donc sur l'avant, le côté ou l'arrière de la chaussure. Donc voilà, donc moi ça y est j'ai commandé ma chaussure, j'ai fait mes essayages j'ai fait mes essayages dans d'autres modèles pour savoir au niveau de la taille ce qu'il me fallait, et donc là je recevrai la paire en magasin en septembre et j'irai la réessayer, donc j'ai trop hâte. Donc là au moment où je vous parle, il est déjà 14h, ce matin j'ai passé la matinée chez ma grand-mère, donc là je vais me mettre au boulot, j'ai pas mal de mails auxquels il faut que je réponde, mais surtout cet après-midi il faut que je fasse le prototype pour l'atelier Do It Yourself que j'anime la semaine prochaine, donc vendredi 12 juillet au Leroy Merlin de Saint-Etienne. J'anime quasiment tous les vendredis soirs un atelier là-bas.
Donc là ça va être mon dernier atelier un vendredi soir de la saison, il m'en restera un le samedi 20 juillet et après je reprendrai en septembre. Donc là l'atelier de la semaine prochaine c'est customisation d'un panier en osier. Donc voilà le panier que je vais customiser cet après-midi. Et donc en fait pendant cet atelier qui va durer 2 heures, on va avec les participantes, je vais leur montrer de quelle façon elles peuvent customiser leur panier. Donc là c'est un panier en liège, c'est pas du tout en liège, en paille. Tout simple, et le but c'est que pendant l'atelier on va le customiser. Donc moi je vais proposer 3 types de customisation. Tout d'abord il va y avoir la customisation avec comment on appelle ça, un tricotin. En fait on va tricoter un mot qu'on va écrire ici. Après il y a la customisation en mettant des gros pompons sur le bord du panier. Et après il y a aussi une customisation où on peut faire des pompons mais qui tombent vers le bas sur une lanière. Donc voilà, donc là il faut que je fasse ces 3 customisations cet après-midi pour les prendre en photo, pour ensuite lancer la billetterie pour l'atelier qui sera la semaine prochaine. Donc voilà, donc c'est un atelier. D'ailleurs au moment où vous voyez ce vlog, l'atelier ne sera pas encore passé puisqu'il sera vendredi. Vous pouvez voir derrière moi le gros macramé que j'ai récupéré hier, que j'ai gagné à un concours sur Instagram. Du coup je l'ai accroché sur le mur et je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc voilà, ça c'est le premier do it yourself que je vais proposer à l'atelier. Donc c'est pour faire des pompons. Il y aura plusieurs méthodes pour faire les pompons quand on n'a pas de matériel, donc avec du carton, avec ses doigts, avec une fourchette. Ou alors quand on a des outils spéciaux pour créer des pompons. Donc voilà, donc ça c'est la première customisation. Là je suis en train de faire la seconde customisation avec un tricotin pour écrire un mot. Donc on est dimanche, dernier jour de ce weekly vlog. Comme vous l'avez vu dans les images précédentes hier, ça a été une journée non existante puisque hashtag problème de fille, j'ai quasiment passé la journée alitée. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de boulot pour rattraper ce jour qui devait normalement rattraper mercredi où j'ai fait du shopping et donc je n'ai pas travaillé. Donc à la place je voulais travailler hier, mais vu que je n'ai pas pu travailler hier, et ben on va travailler aujourd'hui, c'est pas grave. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fait principalement du rangement, donc j'ai nettoyé mes pinceaux, j'ai rangé l'appartement, j'ai passé l'aspirateur, j'ai terminé de ranger mon bureau que je vais pouvoir bientôt vous montrer. Il me reste à faire le vision board dans mon bureau et je pense que je pourrais vous faire un desk tour, mais ça sera dans une vidéo dédiée, ce sera pas dans un weekly vlog. Voilà, donc là le programme de cet après-midi ça va être de travailler, créer du contenu, etc. Et surtout de programmer ma semaine. Voilà, j'aime beaucoup le dimanche soir, généralement ça me prend pas longtemps, préparer ce que va être ma semaine suivante, le contenu que je veux poster, les rendez-vous que j'ai, faire un peu le point, etc. Donc je vais faire ça et puis ce sera la fin de ce vlog. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Du coup il va y en avoir un par semaine pendant tout l'été, donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que je vais faire des choses assez intéressantes pour alimenter ces vlogs, donc on verra bien ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir. J'ai hâte de passer du coup tout l'été avec vous puisque vous allez voir tout mon été.